Karel in the Morning. Ou qu'on s'allie déjà. Nous super excités pour nous recevoir invité ça qui est avec nous là aujourd'hui. Hein. Pour qui ça parce que d'a chercher invité pour moi parce que on aime faire commencer etc. Il y a des monde qui style pour qu'on ait que commencer, je m'a chercher des bonnes pour m'inviter dans show. Et puis me réaliser me dit mais qu'est-ce qui ça passe plusieurs fois dans l'émission hein, mais il pas jamais parler de tête parle. Ça veut dire comme des monde que nous connaît et puis il toujours vient parler de programme la fait ou bien l'autre bail que la participer la donne mais jamais de chita parler de qui est-ce que lié ça l'y régler ça l'a fait etc. Et qu'est-ce ça pour moi-même gagne une histoire assez intéressant puisque ils sont DJ femme c'est pour ça la plupart de monde connaît mais lui même tout lui qui a propre carrière professionnelle parle que le fait à part avec l'autre activité que le mène dans la société a et je pense que c'est ça que nous bral découvrir avec lui là qu'on y a. Autour avec Kémissa, comment vous êtes? What's up? Bonjour Karel, c'est un plaisir pour moi. Je salue les auditeurs et puis les spectateurs qui regardent nous sur les réseaux sociaux. Justement, c'est un plaisir pour moi de recevoir et j'aime t'abdien. Et c'est moins que tout ça et pour réaliser ça ou bien ou t'es toujours réalisé que hey, je viens dans le Karel à me parler de tête. Lors de ça, je réalise ça. Tout me vient là plusieurs fois. Nous t'ai parlé de conversations essentielles ou bien nous présentons un programme quelconque. Mais nous parlons vraiment de chita parler. Côté, on va parler de projets qui laissent soigner et puis ça m'a pris. Voilà, et bien qu'on y a nous parle. Finalement découvrir qu'on qui est souillé. Pour un moment nous n'avons même pas de vrai nom. Parce que quand disait Kémissa après ça ou une vente au top avec Kémissa qui peut c'est tout un concept. Donc on y a parlé mon qui est ce qui Kémissa. Bon non complet. Il y a mon qui aime un pile non complet et c'est Anne Michel Kémissa Tressil. Donc par contre Anne Michel. Anne Michel au fait c'est prénom au fait parce que middle name c'est Kémissa. Donc l'aime notre bon une pousser les Anne Michel et finir de les appeler Anne Michel Anne Michel. Et pour pas qu'il y ait c'est même donc oui et entre autres moi étudier sciences juridiques et m'a évolué là dans tout parallèlement à DJ 9 to 5 moi c'est dans sciences juridiques m'a travaille dans bureau des accords de la CARICOM donc côté m'a occupé de relations de Haïti avec Caraïbes blanc ça permet de voyager en pile tout dans un pays et Caraïbes blanc qui signataire de CARICOM là son travail qui très intéressant tout qui permet de découvrir et en pile l'autre culture dans Caraïbes blanc et puis m'a regardé et qui gens ça fait qui gens notre pays a évolué en termes de commerce international. Voilà, amour pour DJ ou bien science juridique là qui est-ce qui vient avant qui ça qui pas parlement de au fond choix entre eux deux puisque vous rivez mixer tout de bien il marchait pour vous mais qui ça qui t'est venu avant l'autre. Et si tu as demandé ça avant tu as répondre très facilement carrière juridique là mais vraiment après quelques années dans DJ franchement et DJ prend pile place dans la vie moi d'adrénaline que j'ai l'aime sur scène j'ai des expériences que m'a fait en tant que DJ parce que tout là depuis que j'ai même place dans cœur et m'a pas avoué que si vous me t'a fait un choix si toutes conditions t'a réuni pour me t'a fait un choix m'a choisi DJ tout bon tout bon ça veut dire si là qu'on y connaît que DJ t'a capable assurer et bah fait dépenses qu'on gagne ou bien cost of living aussi capable de comme ça ou t'as choisi venir DJ et vous t'as quitté et Saint Juridique quand même moi Saint Juridique là m'a toujours ou pas oublier ça apprendre oui, toujours sûr. Là d'ailleurs c'est lui qui fait particularité mais vraiment et Jean DJ permet de rencontrer monde faire des expériences et lancer dans des aventures que m'pas jamais pensé donc franchement pensé que m't'a choisi DJ t'as choisi DJ tout à fait et bien on commencer de qui l'a commencé DJ qu'on songer qui leur commencé DJ et qui leur dit tout OK moi voulais venir DJ professionnel qui t'aime lancer me sur marché. Au tout début moi t'as suivre des cours de piano, l'aime l'école, musique t'es toujours passionné. Dans journée créative je vois tout mon tâche mais tâche musicale là c'est même. Mais malgré tout, moi pas jamais tête en tant que DJ vraiment. DJ a beaucoup fait des clics dans terre. Après ça m'a parti en France pour m'étudier. Et puis et là on est aux environs des années 2008-2009. Donc c'est qu'un phénomène DJ a monté avec des DJ David Guetta fait qu'apparaître à dominer mon chien Avicii, Tiesto et puis m'a vivre ça live en Europe. Et puis c'est sûr que l'y frappé mais puis on commence à intéresser mon pile avec house music, m'a suivre et on commence à faire des mix pour moi seulement. Mais personne pas attendé yo on poste yo sur SoundCloud parfois c'est vraiment zami proche mais qui connaît et puis on fait des échanges avec l'autre monde parler de mix etc. Mais là c'est juste un petit projet personnel et puis et pour la petite histoire au top Kémissa m'étais enregistré simple là quand on était en France en 2011 m'pas jamais changer fichier là dans le studio et il était demandé pour moi enregistrer me dit ah il y a une valeur symbolique le fait que c'est première femme de faire toujours qu'un au top Kémissa comme ça et puis voilà et m'a continué
continuer. Et puis c'est là moi retourné en Haïti, moi commencé travail normalement et puis un jour mal mixé en fait zami me dit oh playlist sont intéressants, tu mix sont intéressants. Mm-hmm. Et puis tu as un promoteur qui était en fait là qui dit on bon chance avec vous. Ah ouais, programmé vous. Il a programmé mais vraiment c'est pour open programme là pour oui les monde pour venir les monde pour venir mais c'était quand même une opportunité ouais, ouais, parce ouais. que il y a une publicité qui fait pour ça. Mm-hmm. Donc monde commencer ouais non okay, afficher tout bagage yeah. c'est quand même une opportunité. Mm-hmm. Et puis et bon depuis là m'a dit the rest is history mais entendu ça vient prendre pile temps après tout pour moi imposer pour moi. Mm-hmm. Graver les échelons et ça passe en 2015 mais vraiment me senti que moi pour une nouvelle étape les moi commencer faire propre activité mon collaboration avec un groupe tant connect cerveau. Mm-hmm. Avec un limite de côté que nous avons fait Top Friday. Yeah. Et chaque vendredi et que une habitation tu penses là vraiment c'est là ça me commence à faire vraie expérience côté que on planifie programme ou gain stress faut délivrer ton en tant que DJ grand public captain nous qui là de façon hebdomadaire captain nous c'est là vraiment me senti que commencer pour l'autre étape justement mais quand on y a ou pas les nommer DJ ça qui était pour premier gig là. Et c'était pour moteur. Et quoi pour moteur ça pas pour moteur. À l'époque c'était Party in Haiti. Qui était mon watching there. Et lui obé avec Carl et puis Pipo. Oui, tous les trois qui étaient bonnes chansons et puis voilà. Oui, mais à l'époque tu gagnais et Samar tu qu'on a DJ et DJ Queen tout tu qu'on a frappé. Est-ce que ou tu es toujours peut-être ouais tu es tout et tu qu'on a place mesdames ça un jour à DJ tout ou bien ou tu juste connais que ou ca mixer tout but it's fine up Kimbel pour famille. Et enfin oui, c'était commencé pour un hobby parce yeah. que de toute façon tout le monde autour de moi pas même comprendre. Mm-hmm. Tout ça m'était voulu faire et puis même tout moi t'ai laissé dans environnement ça à côté que timidement m'a pas imposé mais à un certain moment gon déclic qui vient faire qui vient faire que moment quelque part grand pile fille c'est vrai qu'on dit gain DJ Queen gain ça mais moment quelque part grand pile fille à chaque fois même monter sur scène tout toujours étonné tout il a regardé ça m'a fait me dit ah j'ai un bagage pour prouver j'ai senti une sorte de responsabilité pour montrer que nous même femmes tout nous capable DJ nous même nous capable pour tomber différent. Mm-hmm. Donc c'est là ça me prend très au sérieux parce que moi il a jugé tout ça m'a fait il a regardé tout ça m'a fait c'est me fait aussi bien que garçon yo. Yeah. Donc c'est là ça vraiment moi dit ah OK moi gon définitivement gon bagage pour prouver puis me prend très au sérieux améliorer technique moins présence sur scène. Mm-hmm. Et acheter le DJ set, je suppose. Acheter le DJ set, tout équipement. Yo, parce que là, fait paraître, yo web seulement personnel sur scène, mais pas qu'on est que tout un travail derrière qui pour faire pour nous. DJ répéter tout en passant. Oui, DJ répéter, moi répéter régulièrement. Et moi, quelque part, tout, je développe une créativité parce que pour absonner et pour une unicité, dans jouer absonner, pour unique, pardon, dans jouer absonner, donc il faut que faut répéter, faut travailler, faut venir avec de nouveaux mix et pour proposer au public. Oui, mais est-ce que scène DJ a tout dominé par un pile garçon et c'est capable de dire comme ça et est-ce que parfois vous pas senti ou peut-être mounyo pour comprendre pour que ça son fille qui vient DJ là ou bien peut-être essayer de comparer ou même avec des garçons etc. Comment on connaît ou très fort dans cette affaire de gens avec conversation essentielle qu'on toujours fait justement qui s'est montré empower women and things like that. Est-ce que vous pensez que mesdames ont des avantages non milieu qui dominé par garçons surtout ça fait DJ hein? Tout à fait mesdames ont des avantages premièrement dans gens monde là et formaté monde DJ c'est pas vraiment on va recevoir filles et surtout les malais en province. Les malais en province c'est mal sous scène tout le monde juste à regarder une personne pas danser parce que et c'est où la c'est où attraction c'est pas musique là c'est pas musique là ce qui dérange un petit peu parce que je viens faire mon vibe sur la note tout le temps à regarder c'est comme si pas vraiment oui les caméras filment comme DJ donc c'est comme si pas vibe but oui définitivement c'était un obstacle que les mecs pas en train de dire le fait que nous sommes femmes y a pas et accueillir aussi bien que garçons et puis d'ailleurs on obligé à produire double travail pour nous récolter que la moitié des résultats. Tu vois, et aussi, il y a regardé tout ça. Enfin, il y a toujours un fait insolite que moi j'aime raconter. Côté que moi venu avec Ephraim, Staffouin. Mm-hmm. Côté que moi, bon, il y a ça qu'on domine, laptop, etc. Et puis, monsieur a installé pour moi. Et puis après ça, il pensait que c'est monsieur qui DJ. Et puis, c'est pas moi, c'est l'homme qui a installé. L'ingénieur a dit, oh, à part son DJ fille. Donc, toujours des petites choses comme ça. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, par rapport aux gens, bon, et moi, son défenseur des droits de la femme, bon, ou maître les féministes, ça n'a pas dérangé. Parce que j'ai une sensation de responsabilité, j'aime t'en dire, en tant que femme, pour dédier la plateforme à cette cause. Et au cas où, plusieurs fois, j'ai fait des campagnes de sensibilisation en ce sens. Mm-hmm. En 2019, avec campagne Attention, je connais mes droits, qui était un petit genre choqué à cause de j'ai été écrit droit, DOIGTS. Mais vraiment, c'était pour attirer l'attention sur nous-mêmes, mesdames, pour montrer que nous-mêmes nous sommes capables, pour nous affirmer dans nous, dans les écoles.
université côté tes jeunes en pile jeune fille qui vient parler avec qui dit que nous gain talent dans écriture dans musique dans théâtre dans danse mais parents nous voulait que c'est des métiers traditionnels pour nous faire et me toujours dit encadrer tête nous avec éducation parce que c'est vraiment important pour gérer carrière pour gain et méthodologie universitaire au moins mais et suivre vous tout quoi dans savoir faire imposer nos talents et puis au fur et à mesure chaque année nous toujours essayer le 8 mars journée internationale droit de la femme toujours venir avec un concept pour pousser la femme et puis plus récemment c'est WEM, Women Empowerment Movement qui veut dire tout WEM en tant que femme parce que ma femme est pas extraordinaire et puis m'a essayé réunir le plus de femmes que possible autour moi pour nous avancer ensemble. Très intéressant. Nous allons peut-être parler de WEM non même surtout vous l'avez été dans carrière DJ là pendant un petit temps et ou pas j'aime comme si gagner monde comme si qui porte des critiques amères et qui fait peut-être ou dire oh hey ben oh, je joue mieux. Posez, quel problème nous? est-ce que ça arrivait que non, pas doit évoluer dernière année ça? Oui, toujours je fais un pile critique et moi prends très personnel et pas caché de ça, même si je pas montrer ça, même si je toujours montrer très fort et que je suis contre la situation, mais et à chaque fois moi tourner sur même songe en pile et ça mon abdim et quelque part moi bien content que ça passe comme ça peut-être si au terrain moi la tâche trop facile moi pas tape jamais c'est absurde passer tête en tant que DJ mais là vraiment ça c'est une confiance en tête moi l'aime sur scène et mécanisme vient plus rapide donc oui moi recevoir un peu de critique sur façon de jouer et que peut-être trop conservateur dans image moi parce que mais c'est équilibré et tous les deux images donc mais parce que peut-être il espérer que quand je vois l'habiller monter sur scène etc. exactement quand limite que pas jamais essayer dépasser choix musical et tout et gain de musique que me pas jouer que qui pas fait partie de playlist mais donc ça vient faire que moi recevoir un pile critique parce que il y a des monde qui pas comprennent pour qu'ils soient différents. Oui, pour qu'ils soient différents et ça m'a empêché de faire. Mais ça m'a empêché de faire justement son choix et qu'on fait et qu'on j'en dis ou subit critique par rapport à ça. Mais non société normal ou pas t'as supposé peut-être et je ne critique ou ça au contraire t'as supposé que l'autre monde cap célébrer au choix que vous même vous faites puisque vous avez des valeurs j'en dis que vous jouez pendant que vous prenez pendant qu'on DJ moins un peu plusieurs fois qui a DJ mais monde cap garde de loin tout cap peut-être réaliser que Kemi ça peut-être son goût timide est-ce que son bon lecture son monde fait qui dit qui t'a pensé que ou son monde qui timide réservé fermé sur lui-même peut-être seul l'heure ou à DJ que ou vraiment exprimer ça ou ça correspond comment ça a revenu plusieurs fois et moi fini pour accepter mais pour moi comme l'a parlé de moi je veux dire ma version pas c'est vrai que moi son monde qui assez réservé qui assez introverti comme ça même pas penser que si me t'es timide que me t'a fait un choix comme DJ me t'a juste que t'es fermé la caméra pas jamais osé parce que c'est quand même bien quand tout forme de get go dit mon yo gagne différence entre un monde qui timide et un monde qui introverti exactement donc parce que si moi choisis une carrière côté que moi sous les projecteurs chaque jour moi pas la femme dans studio là donc bien à l'aise pas parler exactement moi pas timide mais je viens comprendre pour qui ça mon pense ça et je viens faire un travail tout côté que mais plus travail présent sur scène moi parce que au fait ça fait moi qu'on est très focus sur scène c'est parce que me pas veut faire erreur les m'a mixé sur sur plateau me pas veut que dit ah transition ça mal entré ou pas donc moi viens comprendre tout ça moi noter ça donc ça veut faire que moi travaille plus dans répétition qui me fait que moi plus à l'aise qu'on y a moi qui a danser sur scène moi qui a un petit peu jouer avec look moi tout moi essayer faire ça moi animer tout qu'on y a pour micro etc. Et parfois tout gain le public comme c'est première fois y a moi moi remarquer tes grand glace entre nous donc les moi prend micro moi parler avec eux me communiquer avec eux moi aimer j'ai été répondre depuis là me dit ah pas la gain micro du tout donc toujours communiquer puis toujours bien accueilli bien fait ça that's good comment famille et tes parents en particulier accueilli l'idée que hey yo well non affiche qu'on y aura le jouer et comme DJ alors que justement on s'est fait étude ou dans sciences juridiques ou travail dans domaine là ici dans Haïti et puis c'est mais au fin de dire là dans la radio que tu as choisi c'est DJ tu as choisi c'était pas mal bon mon cœur t'as pas c'est qui fait sévère hein c'est l'équipe cool mon papa et qui bon qui n'a en police donc qui chef par ça comme ça mais c'est l'équipe cool c'est l'équipe toujours dans le programme ouais l'autre jour et mon programme tellement bien passé il dit ok tellement aimé j'en jouer à shot pour tout le monde ah ouais pour même à tous les amis à chaque shot pour nous donc c'est très cool mais ça pas empêché que au début les moitiés fait commencer de pas comprendre tout il est absurde surtout moi même qui était très peur pour moi en tort ou à raison parce que c'est vraiment un domaine qui passe tout comme ça dans les études et puis rentrer là et puis
c'est différent. Exactement, et puis pas oublier tout, et son domaine côté que vous sortez très tard le soir dans le programme, avec qui est-ce que vous êtes, qui est-ce qui est dans l'environnement. Donc, moi, je comprends tout, les hôtes peur pour moi. Mais après, il y a quelques années, côté que je me prouvais que ça m'a fait très sérieux, je commence à jouer un feedback. Que je prends la vie au sérieux. Que je prends la vie au sérieux, que je essaie d'équilibrer tous les deux et carrière. Et puis, que, ouais, que ça marche très bien, le feedback des amis après. Je me dis, ah, c'est toi qui me sens dans la télévision, très bien parlé, je comprends ça l'affaire. Et puis là, je viens tout de par eux-mêmes, je fais des déplacements, tout, je viens dans l'activité, mais je vois de par eux-mêmes que bon, et c'est son bail quand même assez intéressant. C'est peut-être pas choix que tu as fait eux-mêmes, mais qui est assez intéressant. Et je décide et pousser mon adam, et puis bon, quand je m'en travaille, depuis que mariage, familial, comme c'est même. Même. C'est même. Ou bien content que je sois automatique, quoi, et je réalise que c'est ça en pile parent. Et bien content qu'on dit ça. Ou quand toujours gain doute sur ça petit ou fait décider faire comme carrière que peut-être on pas choisi faire mais prend temps balle chance li pour le prouver exactement OK ça veut dire et ou j'en dis ça veut dire yo suivre ou yo garder côté pour aller yo vinn présent garder que soit jouer sous ton mauvais DJ tac dou ça yo pas jouer une pièce vibe dans jeu à jouer à mais ton a perdu yo ca dou ça mais en pile parents qui catégoriquement refuser choix timon moi même gain deux timon par contre qui ça que il va devenir qui ça que il va faire même connaît que m'a pas me supporter n'importe qui ça que il a fait as long as que ça rend fait au content exactement pas pas le supporter un petit monde qui a papillonné qui je dis il veut faire droit de venir il veut faire ceci il veut faire cela m'a toujours peut-être mettre le chita et faire justement joindre ligne passion parle pour le compte qui ça pour le faire sans pas encadrer choix des fois c'est sans besoin des fois qu'on grand passion mais on besoin monde qui a expérience qui dit OK on connaît c'est ça qui passe mais les gens que tel chemin on t'aime suivre là vous m'encadrer yeah définitivement. Qui est le plus gros gig que vous faites so far as a DJ? Ou qu'a dit nous? Et m'a cité plusieurs peut-être. Et une des plus gros gig, je pense que c'était intéressant, c'est l'aimer jouer, je crois, c'est dans Tabou Combo. Côté que c'était intéressant pour moi parce que c'est pas de génération du tout et moi senti c'était un gros défi pour moi et charmer un public qui rien à voir avec ça m'habitue faire donc j'ai trouvé ça t'es moqué et puis après ça moi songe me jouer et dans Block Party Discord Music c'est une banche et il moqué parce que c'est un loge public côté que gagne un pile monde devant habituellement habitué j'ai dans des clubs et plus ou moins fermé, côté quoi habitué avec public là déjà. Donc, je joue dans un public qui est différent. Donc, ça a été manqué. Tourner en province, je manqué mon pile parce que culture et la capitale, là, côté mon plus ouvert. Ouais. En province, je. Donc, avoir style musique que vous attendez. Oui, dans style musique que vous attendez. Donc, en province, et ça a toujours manqué. Et moi, quand c'était un dernier, et Tough Friday, parce que c'était quand même un gros challenge pour faire propre event power et puis pour qu'il public là pendant tout un mois. Donc, ça, c'était un challenge intéressant. Tout à fait. Vous parlez de mentionner style musique là tout à l'heure. Et il y a des DJ ou citer non ou quel type de musique qui prédomine playlist qui style de musique qui prédomine en playlist que ça un pile afro house et un pile afro house afro beat même moi il était moi on DJ open format mais moi avoue que moi très influencé par Rara Tech et d'ailleurs Gadjio c'est une DJ que moi admire en pile donc et style musical ça intéressé donc influencé un peu non mais si nous tap retourner dans playlist on après un pile afro house bien que et Raboda et tout parce que un pile fois les mamans dit que on va pas jouer dans pays alors Raboda oui un pile fois les dit que moi contrôler choix musique moi je pensais que au fait que moi un tir à Boda mais c'est pas ça du tout c'est juste que il y a des musiques qui portaient des messages qui pas intéressant que moi pas qu'à diffuser mais et Boda c'est une genre musical et préféré là il semble en pile avec Afro House en termes de BPM beat per minute donc n'a pas trouvé ça en pile dans playlist moi compar même j'ai un peu de tout j'aime dire open format moi adapté vraiment tout dépend de activité que m'a jouer si son mariage et gon style de musique pour ça si son programme gon style de musique pour ça et moi j'ai un pile tout dans corporate event donc et c'est pas souvent qu'on voit DJ dans style de programme ça donc moi adapté et moun qui a fait corporate event yo gen des choix bien spécifiques bien spécifiques que moi j'ai mal fait un programme et ben mal stream un programme pour mon compagnie un gros compagnie de la place je veux dire et puis qui musique n'a joué encore ça bien et bon impossible blague impossible non mais ton pareil qui pile les gens
Me dit OK. Et puis quand il y a obligé à jouer et bra l'album voilà il jouer, m'a joué petit bello, tu vois comme ça dit oui, oui. Ça moi même encore pour vivre Dieu, c'est que après 2 heures, 3 heures de temps, OK, on joue musique classique ça et puis on fait gain emploi et puis on va jouer gars, juste parce que il y a tout de groupes ça qui là. Ah non, c'est pas I wouldn't dance. Des gros lignes à suivre, pas point chance. Ouais, ouais, tout à fait. Donc quand il y a un nous switch on petit cas sous carrière ou comme professionnel dans cause juridique, parler nous petit cas de ça qui ou dit voyage en pile qui ça job ou qui ça va faire. Alors moi dans le bureau des accords de la CARICOM mm-hmm. et de l'Organisation mondiale du commerce et c'est un bureau et bon gouvernemental. Mm-hmm. Donc au fait moi font travail tant qu'on travaille de diplomate mm-hmm. côté que et où on se voit et tout ça qu'a fait et dans CARICOM nous on est Haïti c'est signataire de CARICOM. Mm-hmm. Au fait quatre principes que nous surtout respecter c'est libre échange de biens, de services, de personnes avec mm-hmm. échange qu'a fait dans Caraïbes blanc côté que tout avancer pour nous bailler rapport de ça Haïti a fait et de mm-hmm. les voyer rapport tout nous-mêmes en Haïti pour nous diffuser soit dans le ministère affaires étrangères, soit dans le ministère du commerce, c'est surtout avec eux que nous travaillons, mais vraiment tous les secteurs multisectoriels, bureau mm-hmm. là au fait est au centre de tous ces secteurs là. Mais le terme qui revient à chaque fois c'est le commerce et international. Mm-hmm. Donc on a aspect légal, j'en dis ça. Exactement. Mm-hmm. That's good. Où est-ce ça? Moi mais ça et moi première expérience moi c'était au ministère du commerce dans mm-hmm. affaires juridiques avant et puis après moi était en affaires commerce extérieur mm-hmm. donc c'est là vraiment que moi viens de familiariser avec CARICOM et puis quelques années plus tard me voilà directement et au bureau de suivi des accords de la comment vous vivez balancer tout ça et ça veut dire est-ce que et vous avez des gigs ou pas qu'à prendre parce que force et au oui. bureau de travail ou du moins gain côté tout tu as dit m'a demandé vacances en travail là pour me faire gig ça comment vous vivez balancer ah, tout ça c'est très difficile et aurait moins et planifier au moins de détails mm-hmm. et gain de geek justement je t'a dit et que me pas capable obligé refuser mm-hmm. parce que et par exemple on geek on dimanche je me tourner le dit me pas capable mm-hmm. mais gain de geek qui tellement intéressant tu vois gain de opportunité qui présenté à eux me dit ah et m'a prend on jour off dans mm-hmm. bureau pour me gérer ça parce que c'est vraiment une opportunité qui intéressait me ça arrivé tout que moi était déjà et à l'affiche non programme et puis au dernier moment qu'on voyage que programmé et puis moi obligé bon malheureusement mm-hmm. et annuler affiche mais en gros moi j'ai assez bien comme ça parce que mon travail lancé dans une femme général programme c'est surtout en week-end et en mm-hmm. soirée mm-hmm. donc ça rend plus facile et pour gérer mais bien sûr moi obligé battre en horaire parce que je t'ai dit tout à l'heure gain répétition gain planification à l'avance gain mm-hmm. tout va et vient ça qui fait que et moi obligé très méthodique petit peu sévère tout il faut me dire ça qu'on est les a contacté pour le programme me dit ah qui sont sévère comme ça me dit ah faut comprendre tout parce que ma PC équilibré tous les deux carrières pour une bagarre répercussion négative sur l'autre en même temps que moi je vais être à 100% dans le bureau tout. Mais en tant que DJ de tout moi je moi prendre ça très au sérieux c'est pas parce que moi j'ai une carrière juridique que pour me prendre un DJ pour bail et qui pas important qui pour pas bail et valeur artistique que supposé gagner donc je voulais pas moi à 100% dans tous les deux domaines tout à fait qu'on est entré dans des projets bien spécifique au gagnant ou gagnant et une plateforme Macalin et Boussico semaine passée non l'un des faits qu'on a commencé t'es mentionné oui. projet Paola et parler dans ce cas de qui ça projet ça alors projet ça c'est un projet que j'ai en théorie dans tête depuis longtemps mm-hmm. et parce que et encore une fois carrière juridique carrière artistique nous avons été en 5-10 ans, les moyens finis avec la question de DJ ça, parce que malheureusement, j'ai une date d'expiration. Mm-hmm. Et puis, je me dis, ah, moi, pour aller moi pour entertainment lawyer, ou bien et essayer et un petit peu en coup de main en faire droit d'auteur ça. Mm-hmm. Mais en théorie, je me suis toujours parlé de ça. Donc, voilà, COVID-19 arrivé, moi, là, quand même, pas d'activité encore. Mm-hmm. Et puis, je me réfléchi. Et puis, je me que Bunge posté et Creative Tech Lab. Yeah. Premier mot qui attire l'attention, c'est creative. Pas mm-hmm. forcément un monde qui est dans la tech, mm-hmm. mais que moi, au courant de ça qui a passé. Donc, creative, ça attire l'attention. Je me dis, oh, OK, je m'en suis. Et puis, plusieurs fois, et moi, quand j'ai posté des affiches, je m'en suis toujours. Mais ça, vraiment, qui va le faire des clics là, c'est là que je fais présentation de qui ça qui est Creative Tech Lab. Et puis, je me dis, Power Search, sur panel là, mm-hmm. ou même tout, côté nous t'as parlé. Après, côté nous t'as dit, challenge n'a pas tant dans le domaine de creative. Je me dis, mais c'est un vrai consacre que je m'en suis fait. Et puis, je me finalise projet atteint dans tête moi en théorie moi finaliser et puis moi t'a cherché un nom intéressant pour les tout et me dit qui j'aime ta les projets ça même voulait que c'est tombé en créole mm-hmm. pour qui symbolise Haïti et puis me venir le village mm-hmm. VILAJ mais qui sont sigle tout qui veut dire
Virtual Interactive Legal Application Journey. Mm-hmm. Qui ça Villager? Villager, son plateforme qui permet tout un petit peu régulariser les droits d'auteur. C'est mm-hmm. une plateforme de streaming, à proprement parler, de dupliquer ça qu'a fait déjà. Mm-hmm. Ça qui est intéressant dans Villager, c'est que nous voulons by créateurs et opportunités côté que et yoka sur un site, yoka connaît que et toute bagarre régularisée en termes de droits d'auteur, vient créer un smart contract. Mm-hmm. Et je pense que ça fait longtemps que m'a parlé de ça dans ce secteur là, folie finalement formalisé. Mm-hmm. Pour les consommateurs, médias, distributeurs, artistes. Je pense que faut nous et finalement régulariser ce secteur-là. Ça serait les HML pour les régulariser. Je pense que Villa est son premier pas vers ça. Mm-hmm. Donc, nous commençons avec musique parce que c'est musique qui est plus facile pour régulariser en termes technologiques. Mais vraiment, Villa est allé au-delà. Il voulait aller dans œuvre de toute œuvre que nous cabons en coup de main pour et à travers plateforme. Et faut me saluer tout et coéquipiers que m'ai rencontré et dans Creative Tech Lab qui c'est un développeur qui est Baudry et puis deux collègues moi Girona et Atis Constant. Donc c'est avec eux nous t'ai fait équipe pour nous entrer dans Creative Tech Lab. Nous t'ai une finaliste qui permet moi réaliser projet ça. Moi t'ai venu avec en théorie mais vraiment sans support et développeur là et puis l'autre équipe là. Pour nous pas taper finaliser déjà pour nous comprendre Anticras et bien que nous devons te présenter village pour permettre que tout le monde qui a créé et musique en particulier puisque nous avons la musique créer des empreintes digitales de œuvres. Tout à fait. En façon qu'on est capable de tracer de tous côtés. Exactement. À travers la technologie que les blockchains, mm-hmm. c'est ça que les permettent. Par exemple, admettons que, bon, on crée une musique là, mais ce n'est pas mettre de voix. Mm-hmm. Et puis, on est capable d'ajouter instruments, quelque chose ça va ajouter. Donc, ensemble, on a créé et ensemble, tout, automatiquement, chaque monde recevra royalties. Parce que but village, tout, c'est pour permettre aux artistes de vivre des œuvres. Et il y a un pile plein qui a fait et comme ça et à travers le monde. Côté que débat a commencé à soulever, côté que artiste pas satisfait de continuer à toucher. Et puis, je pense tout, même si il y a des plateformes, tant que YouTube, iTunes qui déjà fait travail pour les artistes haïtiens, mais comment qu'à gagner sur le marché local. Nous avons besoin de plateformes qui a répertorié les artistes sous marché. C'est pour ça que, et bon, je ne vais pas trop anticiper, mais peut-être mon cash pour mon consommateur local qui acheter directement sur site là pour comme ça jouer un artiste directement. Dans quel point village là, Yekonia? Parce que je connais que justement cette présentation qui était faite, tout travail sur un prototype. Et dans quel point Yekonia et qui ça qui est capable de dire roadmap pour lancement et village? Jusqu'à présent, nous avons un point prototype là toujours, mais développeurs là continuent à travailler et nous avons plusieurs étapes et pour nous faire encore parce que Babi a révolutionné l'ordre des choses et il faut que village en société pour les cas fonctionner parce que c'est quand même un but lucratif et il faut que nous avons, bon, pas fait d'entente. Et mais quand même pour nous travailler de concert avec le bureau haïtien droit d'auteur parce que c'est pas nous qui prenons une licence pour utiliser et ça veut dire que c'est bureau haïtien droit d'auteur que côté œuvre déjà enregistré mais ça qui est intéressant toi avec Villa c'est que si œuvre pas enregistré nous même tout nous cap pousser ça donc nous pensons que là intéressant pour nous travailler avec BAGA. Vous dites peut-être BAGA qui a connecté sous database pour par rapport à ça et puis automatique donc, puisque vous même vous avez toutes données ça qui a pas exactement et pour cette dynamique ça intéressant qui a poussé plus artistes à l'enregistrer parce que gagne de l'heure et gagne plusieurs artistes qui approchent me disent pour qui ça pour mal enregistrer nous pas font good ou bien oui pas même quand ça m'existe exactement et gon l'autre partie que me peut dire que c'est en fait nous fait monitoring tout nous essayer suivre et qui musique qu'a diffusé dans radio yo les concerts les vin important parce que nous gagne des chiffres pour nous parce que des fois on dit que ah c'est mec pigo artiste c'est le même en fonction de quel chiffre combien musique mais vous dire en font hit là et puis c'est sur Instagram yo seulement mais personne monde pas vraiment comme si consommer musique ou vraiment bien acheter musique. Exactement. Donc, statistiques, tout est important pour nous dans le village. Donc, tout est parti. Ça, et je pense que dans les prochains 3-6 mois, nous avons entendu parler de village parce que nous faisons quand même pas mal d'avancées. Et BAGA à bord, nous avons Bange qui a aidé nous propulser le projet. Et nous avons légalisé nous pour nous travailler sur le marché normalement. Donc, dans les 3-6 mois, nous avons entendu parler de village. Tout à fait. Et c'est vous-même qui avez lead by ça. Oui, c'est même cap l'idée avec une équipe quand même, pas le compte de crédit. Compliment. Qu'on y a WEM. WEM. WEM, c'est la même dynamique côté que moi toujours je mettre artistes féminins et ensemble. Et d'ailleurs, pour l'anniversaire, moi, année ça, moi, je voulais sortir un single.
et qui t'a gagné en collaboration avec plusieurs artistes, et malheureusement et c'était une époque et corona, COVID. Donc COVID pas de café ça. Donc moi j'ai décidé de faire un live avec plusieurs artistes, mais pas seulement dans la musique et dans tous les domaines, côté que nous t'ai fait un petit parler ensemble, un petit peu dans même ça nous prendre faire avec conversation essentielle, côté mm-hmm. nous parler de défis que n'a rencontré nous même femme en tant que dans le domaine là, mm-hmm. t'ai Gariana qui a parlé de ça, rencontrer sur scène, mm-hmm. t'ai gagné et Zuzu Girl, nous t'ai Canis, Haïti, mm-hmm. même dans les médias, parce que c'est un challenge, nous t'ai gagné Glorieuse, mm-hmm. tu vois. Vraiment, je ne vais pas oublier personne, mais plusieurs femmes que nous t'ai mis ensemble. Donc, c'est ça qui était première et sorti, même si je dis ça, et sur les médias, mais même qui ça veut dire, c'est Women Empowerment Movement, côté que nous voulons impliquer nous en tant que femmes dans plusieurs domaines. Au début, je fais de la musique parce que c'est un EP que je suis sorti, que je fais un projet en collaboration avec des artistes féminins, mais je pense que le cas allait beaucoup plus loin que ça, et je pense que le cas allait beaucoup plus loin que la musique. Donc, oui, je me dis, oui, en tant que femme, moi, ça m'a fait, quel que soit dans le domaine, m'a fait un petit bail extraordinaire. Je me dis, oui, je ne vais pas parler de même qui me ça, mais nous-mêmes. Femme en général. Femme mm-hmm. en général, pour oui, nous. Donc, c'est ça, et premier projet, single est toujours là, EP est toujours là, on va continuer de travailler sur lui, et nous attendons avec single très bientôt. Justement, quand il y a avant de sur single, parce que tout est annoncé là, et WEM qu'on y a pral comme si on sort de plateforme de rencontre de mesdames ça, ou du moins c'est Kemisa qui a poussé en bagarre et de temps en temps là des collaborations. Comment WEM implémentation WEM comme mouvement, comme plateforme ou bien mm-hmm. projet sur les éléments. Mais ouais tous les deux. Mais ouais, même qu'a fait travail ça parce que moi prend la cœur mm-hmm. que côté que m'a poussé et des artistes féminins d'ailleurs moi t'ai fait, il y a de jeunes artistes qui m'ont dit est-ce que vous ca fait nous passer sur plateforme ou mm-hmm. est-ce que vous ca mettre musique ou dans playlist ou même qui DJ qui joue plusieurs côtés. Mm-hmm. Donc m'parer pour me faire travail ça tout, mais vraiment moi t'ai aimé que il vienne en plateforme de référence qui parait seulement à moi-même mm-hmm. côté que plusieurs et artistes et regroupé. Moi t'ai lancé projet ça, gain Sarah Jane Ramo qui était vraiment embrassé projet ça avec un côté que nous t'ai vraiment fait un concert et 100% et féminin mm-hmm. bon que qui ca difficile pour faire pour les temps qui courent mais je pense que c'est un genre de projet qu'on ça pour attendre de ouais côté que vraiment tout artiste mettait ensemble mesdames pour le faire yo. exactement that's good mais quand on gagne temps justement pour balancer en tout bail, c'est là nous parler de quatre gain carrière comme DJ et ou gen travail 9 to 5 ou j'en ap di le comme ça, ou gen village, ou gen WEM, et me supposer tout ou gen ou son monde qui relax tout qui prend tijou off pour chill qui relax qui me fait sport tout comment balancer franchement là me pas occupé me sentir bizarre ça moi vraiment venir mais le fait que journée mieux rempli que I'm always up to something, toujours on bail m'a réglé, toujours on projet que m'a participé là-dedans, c'est ça qui donne envie, c'est ça qui bon envie continuer tout et puis bon finalement pas si timide que ça hein. Non, pas timide là même, je veux dire bon, c'est peut-être première fois tout nous fait tout parler en pile ça. Parce que j'ai toujours mandé quoi moyen, bombardé de nouvelles et puis bien sûr l'on vient dans l'émission ou parler de l'autre bagarre et qui pas forcément regarder ou même en particulier parce que pas regret du tout que des textes où nous hey, venons dans l'émission pour nous faire parler. Kounia, ou gagne plusieurs et vous capable dire cordes non harpou. C'est une gadile comme ça. Est-ce que gay on bagarre en particulier peut-être que moun yo pa konnen que vous faites tout, vous parlez de sport et que vous faites, ça veut dire que nous sommes sous pratiquement 5. Est-ce que vous avez toujours que peut-être que vous avez découvert là avec vous? Bon, nous ne pouvons pas parler de ça, mais je m'implique mon pile dans le social. Mm-hmm. Ça veut dire que quelque soit organisation qui est là, pour dire on a le témoignage, ben on a le communauté qui est en difficulté, je toujours mettre. Nous avons été impliqué dernièrement avec Projet Saint-Anne. Oui, avec Projet Saint-Anne. Et Naïka. Mon ami Naïka, comment vas-tu? T'as pris un côté chaleur. Non, Naïka, ça fait pas. Oui, vous étiez impliqué dans le projet cette année. Côté que nous avons fait un live de fundraising, mm-hmm. même si nous n'avons pas récolté en pile, mais c'est quand même quelque chose parce mm-hmm. que vraiment, si nous avons besoin de ça, et mm-hmm. quel que soit son cabane, nous toujours prêt pour m'impliquer. Mm-hmm. Et l'autre jour, là, mal visité en communauté dans la Gonave, très loin, dans la 6e section communale de
de Ansa Galère côté que moi j'étais accompagné de Luino Rubio côté que nous allons visiter communauté parce que mon y a besoin ça que y a tout à voir sur réseaux sociaux dans télévision mais aller vers yo parler avec yo dire que pas pour compte yo et puis inspirer yo d'une façon différente parler d'expérience apprendre de yo tout parce que moi apprendre un pile bagage chaque fois me fait des passants ça yo ou bien mal visiter et Timon yo et récemment tout dans centre et centre d'accueil Delma 3 côté que et yo content ouais me dit me son rappeur m'a suivi ou son avocat ou m'ta aimé situation qui concerne pour nous donc c'est toujours intéressant pour me faire expérience ça. That's great, that's great. Moi que peut-être mon a pas prendre découvrir on chemise. C'est ça qui pour moi même important et la plateforme que moi créer c'est permettre justement que conversation ça au fait et permettre que mon yo ouais et mon que ouais tous les jours en l'autre façon. Et c'est pour ça tout spécialement le fait que me fait studio ça pour que li pas arrivé dans même genre ça veut dire ah m'a fait un programme faut mal passer dans chocaré là qui te vienne parler de lui les gens sont pas gagner assez temps pour parler de tête ou pour parler de vous-même alors que ou gon histoire qui extraordinaire hein et vraiment merci pour ouais justement jeune fille dans moins que 5 ans là ou premièrement tu te fais un nom et dans le milieu et puis ensuite tu t'impliques et dans plusieurs bagages ou pousser des ou lead des bagages qui vraiment intéressant en parlant de se faire un nom peut-être une jeune fille qui a regardé là qui a peut-être estimé que le difficile et ou bien peut-être pensé que et c'est parce que ou c'est les chemis ça ou gain marin apparent qui fait que et peut-être tout cas là je dis à pouvoir parler de toute belle réalisation qu'on fait ça qu'on applique est-ce que c'est ton bail qui était facile pour et parce que je suis certain que l'autre tourner sorti et étudier c'est pas et futur ça côté tracé peut-être pas du tout pas c'est pas un bail qui facile du tout pas quel que soit ça en monde qui a commencé parce que j'aime dire nous l'aime te faire commencer personne pas comprendre et ça me devait faire même si gain parents mais pas forcément et pas dire m'a investi non denon pour vous, parce que ça donc, c'est moi qui pour te autofinancer tout ça m'a fait jusqu'à ce que pour la suite peut-être tu as encouragé mais c'est une façon pour dire que rien pas forcément facile. J'ai dû travailler pour avoir et tout ce que je fais. Je connais beaucoup de gens dans le domaine, je connais pile monde, mais pas forcément pas toi en tant que DJ même, donc tu es obligé de convaincre pour montrer que c'est un bail sérieux que tu le fais. Et pour toute jeune fille qui a regardé, moi toujours dire ça, mettez toute chance de côté nous. Et mettez éducation bon côté nous parce que nous gain droit à une passion, on œuvre artistique mais nous pas qu'à gérer passion. Par contre qui ça pour nous faire pour nous pour nous vendre et me penser que c'est éducation ces formations qui permettent nous développer talent ça que nous gagnons la carrière toujours dit artiste très indiscipliné et mais on prouve que côté que qu'a discipliné tête ou qu'a baité toute méthodologie ou qu'a encadré tête ou mettez toute chance de côté pour les opportunités venir vers vous pour qu'a saisir opportunité ça très intéressant tout ça en tout cas très très bien et bon moi inviter mon justement sur internet là et suivre toute page que le village que le OM etc pour mon yo capable au courant de ça que moi régler de temps en temps moi très actif sur Twitter toute semaine ça oui moi très actif moi mais ça parce que Twitter c'est social media préféré donc et ou interagir avec mon yo toujours très relax et très relax et moi je réponds tout message me pas pour dire que me dans une conversation complètement de vous saluer m'a répondre OK en forme et puis si nous besoin nous ca suivre sur toutes réseaux sociaux DJ Kemisa et puis taper DJ Kemisa au top Kemisa monter et puis gain page web là gain page village et puis sur Twitter Kemisa très qu'on y a parlé nos tickets de promoteur qu'on y a tout qu'on y a ça veut dire faire programme organiser plusieurs programmes ou te parler de next level tout à l'heure ou parler de activités côté qu'on fait régulièrement ou tout parler de aspect ça là qu'on parle et est-ce que gain des programmes qu'on va le faire là puisque pandémie en Haïti plus ou moins et pas fait trop de dégâts. Oui, et aspect ça, c'est un aspect peut-être que vous ne connaissez pas de moi. Bon, vous venez nous dire DJ dans le programme, mais vous ne connaissez tout que c'est DJ. Là, je ne peux pas organiser tout le bagage. Mais moi, je ne fais pas le programme. Moi, je fais avec tout mon staff. Moi, je profite de Salut Unlimited qui toujours a collaboré avec moi. Bon, en perspective, c'est de pratiquement recommencer l'activité là. Je n'ai pas vraiment un programme en perspective, mais chaque année en décembre, et en collaboration avec New Generation, nous devons présenter dans le choix déjà. Nous toujours faisons New Generation Night. Donc, je pense que le public n'a qu'à attendre en décembre pour nous faire un New Generation Night encore. Et puis, bon, sinon, pas vraiment gagner l'autre programme que je planifie. En plus, ça focus sur peut-être sortir un produit, parce que je pense que pour un DJ imposer le coup, il faut aller en production originale pour démarquer de l'autre DJ. Donc, en plus, ça focus sur ça. Pour voilà. On va parler de ça, ou pour annoncer single là, ou on va parler d'un EP, qui ça qui bouge, qui comment, et qui ça crée, ça pour le porter, by Mounio là, comme musique.
Et qui ça l'a sonné? Comment le cas sonné tout? Parle-nous de ça. Moi commencé à travailler sur ça depuis décembre 2019. Moi très impatient, pas de penser que la musique te prend tout le temps ça vous fait. Mais apparemment, il faut laisser la musique faire son temps. Mm-hmm. Le vous sortir, c'est mm-hmm. là ça va sortir. Donc, moi, je suis plus calme et quitter tout le bagage fait à temps. Mm-hmm. Alors, moi j'ai des idées, mais vraiment, pour vraiment lancer dans la production, tout en fait des remixes. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est le mal dans le studio, on a les records mm-hmm. et beaucoup de Mano Beats qui mm-hmm. t'a accueilli ma bras ouvert, qui t'a mis le studio à la disposition pour mm-hmm. m'a et accoucher concept, moi, si m'a dit comme ça. Donc, mon premier single et qui est en collaboration avec Mano Beats, Steve J. Bryan, côté que même, mettons un petit voix tout sous lui, qui a pas de goût en l'autre facette. Mm-hmm. Alors, et message qui est intéressant, le single ça qui va sortir hein, c'est que moi j'étais voulais faire musique amusant mais une musique tout qui apporte un message important côté mm-hmm. que justement dans tout message que me tout dire que la femme forte la femme qui s'impose mais pas en musique engagée mm-hmm. donc, de façon très fondamentale bon, nous connaissons quel style de rappeur que style j'ai mm-hmm. so, on façon amusant pour capter public en même temps parce que et moi voulais mainstream en même temps mm-hmm. en même temps que m'apporte un message mm-hmm. c'est me voulais plaire le maximum mm-hmm. de consommateurs donc et, c'est single ça n'a préparé il était fond campé mais l'autre jour là je retourné dans le studio pour me réactiver peut-être faire des ajouts pour mm-hmm. un standard là plus intéressant. N'a pas l'avant-année à fini. Et oui, n'a pas une single l'avant-année à fini. Mais EP prend plus de temps parce que m'a collaboré à plusieurs artistes qui pas seulement en Haïti mm-hmm. donc qui un petit peu partout à travers le monde donc t'as prend plus de temps mais il y a des musiques très intéressantes qui sur EP gain Afrobeat et gain R&B compare. C'est Mano Beats qui a produit toute musique ça ou il va travailler avec l'autre producteur. M'a travaillé avec l'autre producteur et puis après expérience ça tout moi vinn pi à l'aise pour un produit mais même tout parce que moi quand même un background dans musique dans la musique donc il vinn senti plus en confiance pour moi ta commencer produit donc m'a produit des certains tracks sur ça. Ou pensez t'as supposé qu'il y a plus femmes sous scène DJ en Haïti ou bien ça qui l'a fait pour assez face à garçon. Et pensez t'as plus qu'il y a plus femmes plus ça parler de nous parce que imagine aussi par contre l'autre DJ qui a concurrencé il y a pas trop parler de moi. Mm-hmm. C'est même Jean et Dynamite Tiva Jacout mm-hmm. autant que tous les deux au top autant que il y a toujours parlé de une par rapport à l'autre. Donc pensez définitivement t'as supposé qu'il y a plus femmes pour qu'à parler de femmes pour qu'à tout temps absiter et non DJ puis ou pas qu'à et font révolution leur minorité mm-hmm. donc avant tout que nous tournions des compétiteurs une pour l'autre nous même tout DJ femmes parce que font ta mettez nous ensemble pour nous imposer nous sur moins cher et puis laisse ça peut-être n'a fait face to face n'a fait ballon n'a fait compétition mais pour le moment parce que message c'est à mettez nous ensemble tout à fait that's good Kimi ça et nous avons fait journée à parler puisque que pile bail pour dire sur vous nous c'est plusieurs projets et moi nous pourrons suivre vous et je crois que pile monde apprend découvrir là et certainement ouais de on même justement leader ça peut-être que moins penser qu'il y et non mais non mouvement qui toujours à pousser filles puis devant etc et qui est capable d'inspirer l'autre jeune et ça pour moi même extrêmement même tout ça au-delà de tout DJ tout ça qu'on a fait et bel travail qu'on a fait et dans le pays etc le simple fait qu'on est capable de source d'inspiration pour l'autre monde et vous capable porter inspiration ça sur chaque jour tant qu'on rade qu'on mette sur parce que depuis ouais vous dit oh pas un problème mais vous toujours porter message à chaque fois c'est extraordinaire et merci parce que vous avez répondu à l'invitation. C'est un plaisir. Vous êtes me parler en fait je dis non c'est pour une fois nous parler tout parler ça is good ça, en général moi très quiet même gain un pile bail vous me dites yeah, donc yeah. c'est un plaisir vraiment pour moi partager et toute expérience moi tout mm-hmm. ça m'a réglé et puis pour j'ai à venir yo. that's good give me ça un compliment encore une fois m'attend peut-être pour tourner le single là oui, pour venir présenter pour single là présenter lui et puis souhaite au bon succès dans toute carrière merci fait. Et m'a salué encore une fois tout le monde qui t'a regardez-nous, attendez-nous et c'est un plaisir pour me avec nous dans Caroline de Moyne. That's it, thank you. Voilà, c'était Kemisa au top. Li, c'est avocat, DJ, féministe et promoteur et comme t'as dit ça, motivational speaker puisque li fait plusieurs autres bagages. Li sont activistes, humanitarian, bref, name it et jeune fille haïtienne qui a évolué bon ici là et qui a essayé font différence dans la ville de tous les jours et pour nous-mêmes ça t'est intéressant pour nous faire nous découvrir aspect ça la caille parle jeudi Caroline de Morning c'est nous et on continue.